programme de l'émission d'aujourd'hui, nous retrouverons Sandrine pour une session de canirando et un baptême décoiffant de canicar. Vous êtes tous sales, les chiens. C'est bien, on est pareil. On s'entend bien comme ça. Dans la direction de Jolnay pour retrouver Sandrine partie pour une randonnée en bonne compagnie. Oui, mais pour le moment, je suis toute seule. Hein. Il faut que je trouve Sandrine et sa fille Marine. Alors, elles m'ont donné rendez-vous dans ce coin-là. À mon avis, elles ne devraient pas tarder. Je vais continuer. Ah bah vous voilà. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors vous êtes bien accompagnés là, hein? Oui, bah oui. Avec... de superbes huskies. Alors là vous êtes partis pour faire une petite randonnée, c'est ça? Oui, avec des chiens. Moi je vais y aller aussi, hein. Oui. J'ai votre ceinture. Je vais vous équiper. Donc je vais mettre ça. Alors. L'attacher là. Faut vraiment pas qu'elle remonte. Si jamais elle remonte, vous la redescendez au niveau des fesses. Faut pas qu'elle vienne au rein. Ah d'accord. D'accord, c'est une question de sécurité pour votre dos. Ouais. Ça va être plus agréable. Et pourquoi? Parce que le chien tire beaucoup? Au début, ça tire un peu. C'est comme des enfants. On leur dit qu'ils vont au restaurant, au cinéma. Ils tirent, ils sont contents. Mais après, ils se calent en fonction de vous. Ah d'accord. Ok. Je vais leur parler. Alors, il y en a certains qui vont écouter les ordres, d'autres qui vont en faire un peu qu'à leur tête. Surtout qu'ils savent qu'on est à pied. D'accord. Donc là, ils vont sentir le gibier et tout. Donc, mais faut pas hésiter à les reprendre. C'est pas parce que c'est mes chiens que vous pouvez pas leur donner des ordres. D'accord. Après, on a une longe. Hein, voilà, qui est un peu élastique. Qui est amortie pour vous. Oui. Tout comme le chien. D'accord. Vous, ça va pas vous donner d'à-coups sec. Et elle, ça va pas lui faire mal au niveau du dos. D'accord. D'accord. Bon, alors on y va? On y va. C'est parti alors. C'est parti. Allez, vas-y, allez. Yana. Oula. C'est embouteillage quand même. Hein. Allez, on y va. Allez, Yana, devant. Ok. Ah ouais, il veut y aller. Hein. Ouais, ouais, je suis toujours. Attends, je croyais que c'était de la canine tranquille. En fait, c'est pas tranquille du tout là. Pendant cette balade. Allez, Baron qui fait un peu tout ce qu'il veut. Hein. Mais c'est génial, hein. Je marche plus vite grâce au chien. 2 km/h de plus que d'habitude. C'est pas mal ça. Hein. Yana, faut toujours observer son chien quand même. Devant Yana. Yana, voilà. Bayrock, ok, devant. Bayrock, devant. Il fait une petite pause? Bah oui. Hop là, allez Yana, stop! C'est bien, hein, ils les obéissent bien vos chiens. Hein. Bah oui, bah, ils sont habitués en même temps. On leur dit stop, c'est quand j'ai des groupes ou des enfants ou des familles en général. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Hein. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Comme Coco par exemple, c'est du chien qui en voit bien. Donc voilà, je vais le mettre avec quelqu'un d'un peu plus corpulent, un peu plus fort. Donc, mais pourtant, là, il est avec Marine, et Marine, elle est toute fine. Hein. Voilà. Mais en même temps, Marine, c'est ma fille, donc elle connaît les chiens, elle connaît tous les chiens. Donc, quel chien, il n'y aura aucun problème. Oui, voilà. Ils sont tous habitués. De la canirando? Bah, dès qu'il y a une sortie, dès qu'on peut sortir en famille, moi, ça me plaît toujours. Moi, au début, je n'aimais pas du tout la marche, je trouvais ça fatigant. Et en fait, avec un chien, on gagne 2 km/h, donc ça va un peu plus vite, c'est largement mieux pour nous. Ouais. Puis on partage quelque chose avec son chien. En fait, c'est ce que me disent les gens. Ils arrivent à créer un lien. Donc, c'est pas leur chien, mais ils arrivent à créer un lien. Et c'est ça qui fait qu'on fait une bonne marche aussi. Ouais. Bon, bah, on continue. On continue. On est parti. On est parti. Allez. Hop. Voilà, c'est bien. 1 km à pied, ça use, ça use. Allez, les filles. 1 km à pied, ça use les souliers. Nous retrouvons Sandrine qui s'apprête à partir maintenant pour un baptême de canicar. Nous allons atteler 9 chiens à ce kart, de quoi s'offrir de très bonnes sensations sur la piste, n'est-ce pas David? Oui, tout à fait. Donc, on va partir effectivement avec 9 chiens, 9 huskies de Sibérie. Ouais. Tu vas prendre effectivement place à côté de moi en tant que passagère sur le kart. Ça va partir très vite ou pas? Ça va partir assez rapidement, surtout que là ils ont un peu d'entrain, ils ont envie d'y aller, ils vont se faire plaisir, donc on va partir assez rapidement. Comment on va mettre les chiens ici sur le kart? Donc on va les atteler par ordre. Donc devant, il y aura donc une seule chienne, ça sera la chienne de tête, donc ça sera Kalia. Et après, on va procéder par ordre. On finira par ce qu'on appelle les wheels, les chiens de barre, donc chiens plutôt puissants qui sont là effectivement pour emmener le kart. D'accord. Donc ils ont chacun leur poste pour l'attelage, pour qu'effectivement on puisse faire le baptême dans de bonnes conditions. Pourquoi c'est Kalia qui va être un chien de tête? Alors c'est donc Kalia parce que tout simplement c'est une chienne intelligente qui va répondre aux ordres, droite, gauche, doucement. Ouais. Et elle mène un peu les autres ou pas du tout? C'est elle qui va effectivement qui va emmener tout le monde. Par rapport à aux directions qu'on va donner, elle va donner le tempo. Je vais en profiter pour te faire passer une combinaison, tu puisses effectivement être à l'abri. Voilà, je suis prête pour les podiums, pour les défilés. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on entend les chiens là, ils ont envie d'y aller là, ils sont motivés, hein, vous avez vu ça un peu? Allez, on y va. Voilà.
m'accroches bien? Bah je m'accroche, j'ai pas de ceinture de sécurité hein. Non, mais non, on a perdu personne jusqu'à présent. On va essayer de continuer. Ok. Roger. Masque de beauté en même temps, c'est cadeau. Heureusement que j'ai la combinaison en fait, je pensais pas que ça allait être aussi aussi cracra, j'ai envie de dire. Le but c'est d'être à hauteur des chiens, donc là on était pile poil à hauteur des chiens, donc obligatoirement, on en profite. Écoute, c'était hyper hyper sympa, moi j'ai passé un super moment. C'était le but effectivement, et t'as trouvé ça confortable aussi? C'est vrai que là c'est bien rembourré, alors on a pas mal au dos, il n'y a pas d'à-coups, c'est bien, confort. Les chiens, on ne les entend plus. Non, ça va. Ça y est. Ils se sont fait plaisir. Ouais, ils sont contents. Ouais. Ils sont contents, par contre. Et nous aussi, on est contents. Surtout moi. Ben, merci. Merci beaucoup, David. Et merci à Sandrine. J'ai passé un super moment à vos côtés. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. Allez, j'y vais. Bon, je vais me changer quand même. Hein. Regardez, je suis raccord avec les chiens. Regardez leur tête. Vous êtes cracra. Vous êtes tout sales, les chiens. C'est bien, on est pareil. On s'entend bien comme ça. Hein? Bah oui. Ouais, attention, il y a de l'arbre. Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux sauter? Ah, non! Ah, je t'ai coupé, je t'ai coupé!